Yo les scènes, bienvenue sur DBTime, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball Z Kakarot avec le 5ème DLC qui est sorti, tiré du 2ème Season Pass. On a pu y jouer, ça va être un DB review très particulier puisqu'il va être basé du coup sur ce DLC. On va revenir ensemble sur ce DLC qui est sorti la semaine dernière. Ouais, et du coup, on vous invite à faire plusieurs choses. Déjà, à vous abonner, exploser le compteur d'abonnement, les amis. On vous remercie chaudement aussi pour les retours de la dernière vidéo. On a besoin de vous, hein, clairement, si vous voulez qu'on grandisse et qu'on vous propose de plus en plus de belles vidéos, on a besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre à la fois sur Twitch, parce que c'est là qu'on a pu découvrir le jeu et le décortiquer. Et on a les rediffusions qui se font sur notre autre chaîne, Léo et Max, si vous voulez savourer avec nous la découverte. Donc voilà, c'était les petites choses qu'on avait à vous dire. Et on va directement débuter, on va structurer cette vidéo et on va commencer par la partie graphisme, visuel, ce qu'on voit. Voilà. Effectivement, la partie graphisme, le premier truc hein, qui nous saute aux yeux évidemment. Toi, tu l'as vu du coup avec le DLC, tu y as joué le week-end dernier. Vous avez la rediffusion disponible sur la chaîne Léo et Max. Moi, j'étais sur le DB Times, donc je l'ai découvert tout seul a posteriori, début de semaine. Et alors, les premiers trucs qu'on voit... C'est déjà qu'ils nous ont casé le combat, la fin du combat en tout cas contre Piccolo Daimao, donc Goku contre Piccolo Daimao, auquel on ne s'attendait pas jusqu'à quelques jours avant la sortie du DLC. Et je trouve que déjà in-game, on est plongé dans la capitale du centre, totalement ravagée, hein, parce qu'on va d'abord parler du in-game, après on parle des cinématiques. Et ils ont réussi quand même, dans un environnement aussi désert et aussi peu propice à mettre beaucoup de détails et tout ça, à nous faire croire, à nous joueurs en tout cas, qu'on était vraiment dans le monde de Dragon Ball, à cet endroit précis, en train de combattre Piccolo Daimao. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Ouais, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Je me suis à un moment donné posé la question de la grandeur de la map comparativement à ce que l'on voit nous en animé ou en manga. Mais en fait, c'était tellement plaisant justement d'avoir une map un peu plus grande pour jouir de la capacité qu'a Goku à se mouvoir d'une certaine manière. Et comme tu disais, in-game, c'était un régal de jouer un Goku enfant avec son Myoibo, avec ses déplacements tout à fait... inhabituel, parce qu'on est habitué au Bokujutsu, donc voilà, danse de l'air, appelle ça comme tu veux, bref, on vole habituellement. Là, pas du tout. Donc c'est une mécanique de jeu différente. Tu dois appuyer sur un bouton pour sauter, t'es ras du sol. J'ai été au départ perturbé, et ça a été en même temps un kiff. J'ai kiffé, je me suis dit, je veux Dragon Ball, la première partie comme ça. S'il vous plaît, faites-le, c'était un véritable kiff dans la jouabilité. Et c'est bien qu'on ne l'ait pas fait en même temps, parce que comment t'as ressenti du coup ce nouveau gameplay? C'était nouveau en fait. Bah comme toi, j'étais un peu déstabilisé au début, surtout que bah ils sont très terre à terre les persos vu qu'il n'y a pas la danse de l'air et tout ça. Même si Piccolo Daimao il peut s'envoler, Goku il peut sauter haut malgré tout. Mais c'est vrai que le Kamehameha, quand Piccolo Daimao il est tout en haut dans le ciel, tu peux pas l'atteindre en fait. Contrairement à plus tard dans le jeu, généralement tes Kamehameha ils arrivent quand même à se diriger vers les personnages qui sont en plein air parce que toi aussi tu peux t'envoler. Mais là il y a une mécanique qui est intéressante, c'est que quand même t'as des déplacements latéraux de manière super rapide, un peu comme les déplacements foudroyants de Goku au 22e Tenkaichi Budokai, ce qui avait surpris Tenshinhan, c'est comme ça que Goku avait éliminé Kuririn. Là on l'a dans le jeu, et en plus de ça il y a le Zanzoken, tu peux faire des combos, le perso il est là, tu joues. Je me suis dit, ils ont réellement adapté Dragon Ball. Et on n'arrête pas de le dire depuis le début de Kakarot, c'est le jeu peut-être qui se prête le plus à l'aventure. Donc, faites-nous vraiment du début jusqu'à bah, maintenant Piccolo Daimao, vu que vous avez fait tout ça. Clairement, il y a moyen, on le voit avec ça, il y a moyen. Bah oui, surtout qu'ils ont inscrit dans le jeu, ils ont créé la mécanique. C'est-à-dire que c'est une façon de jouer qui est tout à fait différente. Ils l'ont créé. Ils ont créé ce schéma de terre à terre. T'as plus qu'à adapter les mouvements à la limite de Goku en fonction de son évolution au gré des arcs de Dragon Ball. Ça y est, t'as déjà inscrit une mécanique. Profites-en, surfe dessus, quoi. Donc, voilà, là, clairement, c'était une très bonne idée. Et puis, insérer Piccolo Daimao pour ensuite comprendre, avec ce rappel, Ma Junior, etc. J'ai trouvé que c'était top. Donc, c'était la première belle surprise de ce jeu. Et puis, après, bon, bah voilà, on a cinématique. Alors, soit la cinématique Piccolo Daimao, soit les cinématiques de... La rencontre avec Goku qui a grandi, cette insertion du 23e Tenkaichi Budokai, et moi j'étais aux anges. Je me suis dit, voilà, ouais, c'est bon. À un moment donné, c'était toutes les cinématiques, je les ai trouvées très bonnes.
Ouais, les La cinématiques question que je veux te sont poser. très bonnes. Hein. De toute manière, dans Kakarot, souvent, ils mettent le paquet sur les cinématiques. Les bonnes cinématiques, souvent, elles sont bonnes. Quand c'est le moteur de jeu in-game, et on va reparler vu qu'on a sauté des trucs là, c'est pas forcément bon. On l'avait vu avec l'arrivée de Trunks du futur devant Mechafrieza, rappelez-vous. Parce que c'était le Ouais. modèle, c'était le moteur de jeu in-game en fait. Hein. Ils nous ont juste mis le truc comme ça. Mais quand c'est des vraies cinématiques, waouh, même Goku qui esquive Chichi, tu vois. Bon, ils nous ont skip des trucs, on va en reparler après dans l'histoire. Hein. Là, c'est la partie graphisme visuel. Mais ouais, c'est beau. Hein. Et même in-game maintenant, je trouve que l'environnement, même si ils n'ont pas changé tout ce qui était modélisation des personnages, objets et tout ça, ça reste un DLC. Ils vont pas changer le jeu du tout au tout à chaque DLC. Mais pour ce qui est de l'environnement, de l'arène du Tenkaichi Budokai mise à jour, puisqu'on l'avait eu avec le 25e, là on l'a cette fois avec le 23e, donc ils doivent changer des trucs et tout ça. Comment le temple des arts martiaux, il est big, c'est un labyrinthe. Je me suis amusé, ouais. Moi, à me balader, etc., entre les trucs et tout. J'ai pris mon temps pour... J'adore l'architecture. Donc, pour savourer comment ils ont construit ça, est-ce que c'était fidèle à l'anime et au manga. C'est immense. C'est immense. Et on parlera après des trucs qu'ils auraient pu faire. Parce qu'il y a matière. Il y a matière de ouf, tellement il y a deux choses. L'île Papaya a été agrandie. Ouais, c'était un pur kiff. Cette découverte mise à jour comme ça du Tenkaichi Budokai, c'était un pur kiff. Vraiment, c'est beau, c'est tu te prends une claque, t'es tillé en fait. Et surtout, ce que j'ai trouvé aussi assez fort, peut-être comparativement aux anciens opus, c'est que il n'y avait pas du tout de fracture visuelle. J'avais l'impression entre une cinématique et à un moment donné, tu passais en in-game ou alors où tu voyages dans Tenkaichi Budokai. J'ai trouvé que les textures, l'environnement est encore plus fin qu'au début. Et du coup, en fait, même les transitions... T'arrives in-game, je suis pas en mode « Ah ouais, là, je sens que je joue, là. Je sens que j'ai perdu 60% du graphisme. » Non, j'ai trouvé ça très, très fluide, en fait. Donc, non, c'était graphiquement, je pense qu'on peut dire que c'était une réussite. Ce ouais. point-là, en tout cas, on est eu. Je suis d'accord avec toi, il n'y avait pas de grosse transition choquante. Là où il y aurait pu en avoir avec les voix, vu qu'on va faire une petite parenthèse dessus, vu que voilà, Dragon Ball, maintenant, ça a presque 40 ans en manga, ça a au moins 35 ans pour ce qui est de l'animé. Du coup, bah, les voix... Même si dans l'ensemble ce sont les mêmes qu'à l'époque, hein, rendez-vous compte quand même de la série animée Dragon Ball, il y a quand même des CU qui ont disparu, donc il y a eu des remplacements. La première chose qu'on voit, c'est évidemment Masako Nozawa sur Goku versus Bin Shimada du coup sur Piccolo Daimao qui remplace Takeshi Aono, hein, qui est mort il y a 12-13 ans, en plein pendant Dragon Ball Kai. Donc on a un nouveau Piccolo Daimao. Ceux qui suivent le jeu d'arcade au Japon bon, sont déjà habitués à cette nouvelle voix. Hein. Nous, moins. Du coup, vu que Piccolo Daimao, on le voit pas dans tous les jeux vidéo. J'avais peur. Quand j'ai vu le trailer, les vidéos promotionnelles, je me suis dit, ah, putain, j'aime pas cette voix pour Piccolo Daimao. Ça passe. Je trouve qu'il fait le boulot. Ça sera jamais Takeshi Ono. Mais je trouve qu'il fait le boulot. Et il joue bien ce qu'il a à jouer dans sa scène d'introduction et dans les cinématiques. Ouais, il m'a agréablement surpris, donc à ce niveau-là, c'était une réussite, voilà. Je suis d'accord avec toi, Aono, c'est Aono, là, il a fait ce qu'il pouvait, hein, il faut passer derrière Aono Takeshi, et il s'est bien démerdé. Donc voilà, on peut souligner la presta. Après, effectivement, on note aussi que, de manière générale, au fur et à mesure qu'on découvre les différentes voix, on note malgré tout aussi que ils ont tous vieilli, c'est logique. Tu l'entends au timbre de voix. Ouais, Lunch, Mami Koyama, elle n'arrive plus à faire le timbre doux, gentillé qu'elle avait avant sur Lunch sur Dragon Ball. Par contre, un timbre qui m'a plu dans le fait qu'il ait vieilli, c'est Masaharu Sato. Bon, alors du coup, je m'inquiète pour lui. C'est le CU qui fait Kame Sennin maintenant. Avant, il faisait l'assistant Black dans Dragon Ball notamment et tout ça. Mais là, je trouve que plus les années passent, plus il est bon dans Kame Sennin. Au tout début, j'étais un peu en mode, c'est pas Kohei Miyauchi, quoi, le CU vraiment qu'on avait dans Dragon Ball Z. Mais maintenant, plus les années passent, là, je l'ai vraiment aimé. Dans ce DLC, je l'ai vraiment aimé. La voix d'Oulong, on sent aussi qu'elle a un peu vieilli, mais elle passe toujours autant. Et on va s'attarder un peu aussi sur les nouvelles voix. Je mets nouvelles entre guillemets parce qu'elles sont pas vraiment nouvelles, en fait. Hein. C'est les CU qui les font déjà depuis 2010, hein, depuis Dragon Ball Heroes, où les CU ont changé. Ouais. Donc Tao Pai Pai, c'est même plus vieux que ça, puisque depuis les années 90, c'était déjà Yukimasa Kishino qui avait repris le rôle.
Là, Chikao Otsuka, qui faisait Tao Pai Pai dans Dragon Ball, est décédé. Yukimasa Kishino, c'est le CU de Bertha dans DBZ, mais c'est lui qui faisait déjà Tao Pai Pai dans DBZ. Donc il le fait déjà depuis le milieu des années 90. Donc il le gère, hein, mais c'est pas la voix que j'aimais dans Dragon Ball, je sais pas ce que t'en penses, mais ça allait Oh, quoi, pareil, moi disons. je partage, je la ferai pas plus longue sur ça. Moi je partage pour moi, mais c'est un Tsurusenin? peu, tu vois. Ouais, vas-y. Bah, j'allais dire la même chose en fait. C'est comme pour moi, c'est comme Tsurusenin en fait. Hiroshi Iwasaki fait un bon travail, Là, lui, il tranche. Par contre, il tranche complètement. mais. Alors, Hiroshi Iwasaki, pendant tout le DLC, j'ai entendu Orochi de One Piece. Parce que Ouais, c'est non. son jeu. Le gars, il a une grosse voix grave comme ça, et il aime bien taper des aigus et tout, et faire des. Et c'est la nouvelle voix du Dr. Raichi, hein, pour ceux qui ont joué au plan d'extermination des Super Saiyans, hein, déjà dans Dragon Ball Raging Blast, c'était en 2010 aussi. Et maintenant, c'est la nouvelle voix de Tsuru Sennin, hein, parce que le CU de qui faisait Karin et Tsuru Sennin, Nagaichiro, est décédé. C'est étonnant, mais je trouve qu'il est bon dans le rôle en lui-même. C'est-à-dire que si tu nous dis, bon, Ouais. c'est une nouvelle série, c'est un nouveau truc, bah il est bon dans le rôle, hein, il n'y a pas à dire. Et puis après, bah, on en revient sur Bin Shimada, hein, parce qu'il fait pas que Piccolo Demao, du coup il fait Shen aussi et Kami. C'est logique, Dieu. Ouais. Dieu, on l'avait entendu sur Dragon Ball Kai déjà, Shen, il passe super bien. Il passe super bien. Ouais, Shen y passe. Shen y passe. Vraiment, Shen y passe. Shen y fit Tsurusenin, on l'a aussi. dit, voilà. Ichiro Nagai, pour moi, ça reste Ichiro Nagai. Ouais. Et après, on avait du coup Naoko Watanabe sur Chichi Jeune. Ouais, avant c'était Mayumi Sho, et là du coup bah, on a la CU directement qu'on a eu au milieu de DBZ, mais sur Chichi Jeune. Ça peut étonner sur certains passages, parce qu'elle a une voix plutôt grave, mais voilà, c'est Elle Chichi passe. quoi, t'es pas étonné plus Ouais. que ça. Et du coup on va passer à l'histoire, comment ils ont adapté ça, sachant qu'ils ont repris étonnamment la fin de l'arc Piccolo Daimao en guise d'introduction. Nous on vous a dit ça nous a beaucoup plu, mais en termes de placement, c'était court. Ça nous laisse pas sur la fin parce qu'on sait que c'est le DLC du 23e. Mais quand même, tu dis putain, il y avait la place pour faire au moins tout le combat contre Piccolo Daimao, tu vois, en fait. Ouais, on sent qu'ils l'ont fait pour dire de à la fois surprendre les fans et à la fois introduire qui est ce Ma Junior qui va débarquer au 23e Tenkaichi Budokai comme étant l'antagoniste principal. Voilà, tu sens que c'est en mode bah voilà, on réexplique le contexte, c'est le fils d'eux, et puis ça fera plaisir. Je l'ai senti comme ça en fait, c'est vraiment Pareil. un petit morceau où il faut le déguster parce que c'était très court. Bon, au moins on peut se targuer de l'avoir eu. On aurait pu ne pas l'avoir, donc je m'attendais pas à la base à l'avoir avant les quelques jours, comme tu dis, qui ont précédé la sortie du DLC, donc j'étais content. Mais après, je pense qu'on en voudra toujours plus, parce que Dragon C'est Ball, on veut logique. tellement avoir une adaptation qu'ils auraient pu faire encore avant, et puis je me serais dit, ouais, bah, ils auraient pu le faire vieux, et puis ils auraient pu faire, à partir de la mort de Kuririn, bah, ils auraient pu faire avant. Moi, fais épisode 1, Mais même, tu vois, l'entraînement au tu sanctuaire de Dieu, on l'a pas. Parce que c'est, Non. comme tu l'as dit, c'est vraiment pour introduire Ma Junior. Comme il va cracher son œuf, t'es obligé de comprendre qui est Ma Junior pour avoir bah, tout le contexte du 23e Tenkaichi Budokai. Je pense qu'ils l'ont pensé comme ça. Mais du coup, t'as pas l'entraînement au sanctuaire de Dieu avec Goku, ce qui aurait pu être très intéressant à faire aussi, hein. Faire de la farm, récupérer des orbes au palais de Dieu, faire un entraînement avec lui, remonter le temps avec Mister Popo pour faire les fillers si tu veux, et explorer un peu le sanctuaire. Ah, ça aurait fait un très bon ajout au DLC aussi. Bon, il n'y a pas, ça débute direct après la narration. Mais on a quelques quêtes quand même additionnelles dans le jeu, en lui-même, même si on doit jouer le tournoi. Mais elles sont relativement peu nombreuses, hein. J'ai pas été Oh. déçu. Mais quand même, je me suis dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas grand-chose à faire à côté de l'histoire principale du tournoi. À un moment donné, tu sauves un fermier, tu fais la quête de Kame Sennin, où tu vas au Delicious, le fameux restaurant Delicious, ils l'ont modélisé, hein, celui où Kame Sennin y claque toute sa thune, à la fin du 21e notamment. Ils y vont aussi au 22e. Mais il n'y a pas Mais à grand-chose. part ça, Pas grand-chose, non, hein. non, non, non. Ça. Même le farm ou le XP, bon, c'est relativement faible. Tu peux apprendre le super Kamehameha à un moment donné avant de débuter réellement le Tenkaichi Budokai, mais c'est faible. Heureusement, quelque part, qu'on a l'excitation de vouloir combattre au sein du Tenkaichi Budokai qui fait que, bon, tu te dis, bah, c'est pas grave, j'ai envie de combattre. Heureusement Ouais, qu'on a ça. C'est parce qu'après, a posteriori, tu te dis, putain, c'est court, c'est court. mais en fait, ce Mais. qui est dommage, c'est que t'as des orbes à récupérer. J'étais tout le temps en déficit d'orbes bleues. Parce que les orbes bleues, c'est ce qu'il y a le moins sur l'île Papaya. Et même en combattant les oursons là, dans le, sur les flancs de la montagne, du volcan de l'île Papaya, bah ça suffit pas en fait.
Et donc, à chaque fois, je pouvais pas apprendre de nouvelles capacités ou renforcer mes capacités dont tu as besoin au Tenkaichi Budokai parce que tu manques d'orbes bleues. Mais les orbes bleues, tu peux pas les avoir parce que tu n'as pas assez de farm, t'as pas assez de trucs à faire. Et dès que j'ai récolté toutes les orbes de l'île, bah, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un truc qui manquait. Ça, c'est un truc qu'il devrait corriger, je trouve. Bah, puisque tu parles de choses qui manquent, on va parler du coup du tournoi en tant que tel. Pour moi, j'ai été autant excité comme jamais quand j'ai découvert la façon dont ils ont fait l'histoire, que ce soit les combats, l'introduction à un moment donné avec Tenshinhan Tao Pai Pai, où du coup on peut jouer Tenshinhan. Après le combat Goku contre Tenshinhan, Shishinoken, voilà. Tout ça, tous les moments in-game, ça m'a... j'étais fou. Et en même temps, je peux pas cacher ma déception. Quand je me suis dit, putain, ils m'ont skippé ça. Ils m'ont skippé ce combat. Yamcha Shen, y'a pas. Kulinma Junior, y'a pas. Goku Chichi, y'a pas. Tu dis, oh putain, j'étais deg en fait. Ils auraient pu nous trouver un système de défi, même si c'est court. On le sait que c'est court dans l'œuvre originale. Mais voilà, un système de tu dois récupérer, je sais pas, réussir à reproduire une série de coups haut, bas, triangle, triangle, carré pour faire le Kiai de Goku. Je sais pas. Un truc qui fait qu'on les joue malgré tout. Là, c'était cinématique, cinématique, cinématique à l'efface finale. Alors, les cinématiques sont magnifiques. Mais est-ce que j'ai acheté un jeu pour jouer ou un jeu pour regarder? Voilà. Ah, les deux, hein. Tu sais, quand tu joues à Kakarot, c'est un peu les deux. Mais je suis d'accord avec toi, hein, de toute manière. Mais alors, je suis étonné aussi pour Goku Chichi. Parce que Goku Chichi, déjà, les cinématiques, je m'attendais à des cinématiques de merde et tout. On a eu de belles cinématiques. On est plongé dans le mode histoire, d'accord. Ça va, évidemment, tu vois toutes ces esquives jusqu'au Shogekiha, mais t'aurais pu avoir au moins le mode de jeu où tu joues Goku et toi tu dois esquiver les attaques de Chichi, les rushs. Ça m'aurait paru logique, surtout Goku c'est un personnage jouable. Parce que je comprends bien qu'il n'y ait pas Yamcha versus Shen, parce qu'aucun des deux n'est jouable. Qu'il n'y ait pas Kulilin versus Ma Junior pour la même raison. Mais à un moment donné, Goku Chichi, on peut faire Goku, on a le droit de jouer ou pas dans ce jeu. Bon après, avec Tenshinhan et tout, ça c'était cool. Au moins c'était assez inattendu. On joue Tenshinhan, on le joue même contre Tao Pai Pai. Il est super difficile d'ailleurs, Tao Pai Pai. Quand on a son souvenir, parce qu'ils ont repris un flashback qu'on a dans l'animé, où on le voit s'entraîner contre Tao Pai Pai. Oh, il est dur Tao Pai Pai. J'ai crevé plusieurs fois contre lui, avant de... Parce que j'avais pas de Vita Jus au début. J'avais pas équipé. Et surtout, mon PC a crashé deux fois, donc... a été difficile. C'est la merde. Mmh. Ouais, j'ai bien aimé la mécanique de jeu de Tenshinhan de cette période-là. Je l'ai trouvé bien punchy en fait. Ouais, j'ai bien retrouvé son style. Même pour dire, quand j'ai repris Goku adulte dans la foulée, à ce moment, j'ai trouvé le Goku adulte qui. Juste celui qui enchaîne hein, le Tenshinhan, je me suis dit, ah, c'est pas la même mécanique. Je l'ai senti tout de suite. Mmh. Et donc, il était kiffant son passage à Tenshinhan et c'est aussi pour ça que. Bah, quitte à ce qu'on paye un DLC, j'aurais peut-être aimé malgré tout qu'ils adaptent en mode joueur soit Ma Junior, soit Kulilin, même s'ils n'ont pas été faits, parce que j'aurais voulu quand même qu'il y ait un petit truc, voilà, parce que c'était le moment de le faire. Et quand t'as tout qui est modélisé, la map, le truc, même tu affrontes Ma Junior, il est là, ses coups sont présents, bon, bah, c'est pas trop compliqué de le rendre jouable en adaptant des touches, quoi. Donc, même quitte à ce que tu sois Ma Junior versus Kulilin, et c'est toi qui dois taper Kulilin si tu veux pas modéliser Kulilin. Ouais. Bon, c'est tout. C'est d'ailleurs, il était assez secondaire, Ma Junior. Tu le voyais quasiment pas du truc. C'est-à-dire que tu peux parler au personnage et tout quand tu es dans le mode histoire avec Goku. Mais il y a encore des bugs. Il y a des personnages qui apparaissent pas. Chichi, des moments, n'apparaît pas. Il y a deux Tao Pai Pai à un moment donné. Je sais pas si t'as eu ça. J'ai fait ça. Ma Junior est jamais là, alors que normalement il devrait au moins voler ou être sur le toit du truc, un peu comme dans le manga, ou l'animé, mais non. Mais par contre, on a quand même, même si on n'a pas trop de quêtes secondaires pendant le tournoi, on en a une assez intéressante, c'est intéressante en tout cas, ça a le mérite d'enrichir le truc, à la fin du DLC du mode histoire, donc on te rajoute ça, c'est une quête en fait, après le mariage quoi, hein, ça remplace l'arc de la robe de mariée sous les flammes dans l'animé, où t'es Goku, t'as Chichi, ils doivent vivre leur vie dans leur nouvelle maison de jeune couple marié, et donc il va y avoir toute une intrigue. Donc là pour l'instant, je suis encore en train de la faire, hein, j'ai pas encore avancé là-dedans. Mais c'est cool, on voit un peu l'environnement, où est-ce qu'ils ont mis leur maison et tout, donc à découvrir, on vous laissera découvrir tout ça. Et puis évidemment, bon, c'est toujours l'occasion, ce genre de DLC, d'avoir quelques informations complémentaires par rapport au manga qu'on découvre à travers les répliques des personnages qu'on vous laissera découvrir. En conclusion, du coup, ce DLC... C'était combien d'heures de jeu pour toi? Bah écoute, c'était pas compliqué. J'ai débuté le stream sur Twitch du coup
On vous invite, hein, vraiment, rejoignez-nous sur Twitch. 13h30, j'ai débuté, allez, le temps qu'on installe, etc., machin, j'ai dû débuter à 45, 13h45, et j'ai terminé, il était 17h, 17h, 17h10. Attends. Donc voilà, 3h... T'as speedé. Allez, on va dire 3h20, okay. 3h30 peut-être. Moi, je dirais quand même une bonne arrivée. Moi, je dirais quand même, ouais, sans les quêtes avec Chichi et tout ça, après la fin du générique et tout ça. Mais ouais, moi, toute une après-midi, je pense, hein. J'ai essayé de farmer quand même aussi, j'ai essayé d'augmenter mes orbes, puis j'ai un peu exploré aussi. Mais ouais, toute une après-midi, je dirais, pour le DLC. Ouais. Voilà, dites-nous combien de temps ça vous a pris, hein, dans les commentaires. Et si vous avez aimé aussi ce nouveau DLC, nous remercie Bandai, franchement, qui fait du bon boulot. Tous les DLC, là, depuis Trunks du Futur, ils nous font baver. Trunks du Futur, Bardock, et ensuite ça, on est en mode, mais on en redemande, quoi. Et on remercie au passage le PA, hein. Franchement, on le remercie beaucoup. C'est grâce à lui, hein, qu'on peut vous proposer tout ça. Quelques points améliorables malgré tout, hein. On aimerait bien un peu plus de farm, de combats additionnels, et puis de trucs cohérents aussi. Il y en a, mais il peut y en avoir un peu plus avec le mode histoire, quoi. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit assez court, parce que voilà, t'adaptes le 23e Tenkaichi Budokai, donc déjà sur papier, c'est un tournoi. On a eu des surprises malgré tout, hein, avec les quelques farms avant, Pico, Daimao, tout ça, même si c'est plus court. Donc en point améliorable, je te rejoins, j'aurais voulu plus de gameplay, j'aurais voulu avoir cette sensation que j'ai eu plus de phases de gameplay que de magnifiques cinématiques à la fin de ce DLC. Là où Trunks, Bardock, c'était un juste équilibre, mais j'ai quand même eu cette sensation que c'était plus long, que mes phases de gameplay étaient plus longues, même s'il y avait des cinématiques incroyables. Il y avait plus de là, missions. J'ai eu cette... Je pense qu'il y avait plus de petites quêtes additionnelles pour Bardock et Trunks, en fait. Ouais, je pense, ouais. La preuve en est, c'est le nombre de vidéos rediffusion qu'on a sur les différents DLC Kakarot sur notre chaîne Léo et Max, en nombre. Voilà, Trunks, Bardock, c'est monté à 6, 7, 8, peut-être, ou 9 VOD de facile 45, 50, 1 heure. Là, on a la première vidéo, elle fait 1 heure, mais les autres, on tourne autour de 30, 35, 40 minutes. Et je vous l'ai dit, ça fait 3h30 de tout. Et dans ces 3h30, 4h, allez, admettons, il y a un bon 30-40%, c'est de la cinématique. C'est vrai. Donc voilà, j'aurais voulu avoir vraiment cette sensation, mais tac, j'ai joué à des trucs, je ne m'y attendais pas, j'ai joué à ça, je ne savais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et j'espère du coup, parce qu'il y a des vents qui disent que peut-être le prochain arc adapté, donc le DLC, le 6e DLC de ce Season Pass 2, serait le 28e Tenkaichi Budokai. Donc la fin de Dragon Ball Z en animé, ce qui n'est pas con du tout. Ils ont la mécanique du Tenkaichi Budokai, ils ont juste à mettre à jour les choses, etc. Ils l'ont déjà. Mais j'ai peur que ce soit tout aussi court, si ce n'est plus. En fait, bah si tu mets que des cinématiques, là ça va durer 1h30 le DLC, j'ai envie de dire. Parce que des combats, il y en a encore moins. Hein. Il y a Pan versus Mokeko, après c'est Goku versus Oob, interrompu, au revoir. Donc t'as intérêt à mettre des missions subsidiaires, t'as intérêt à mettre, je sais pas, tu vas courir dans les allées, dans les stands du Tenkaichi Budokai, récupérer des trucs et aller combattre des gens. T'as le gamin qui bouscule Pan, là, tu dois lui mettre des claques avec Pan, voilà, fais des missions, je sais pas, n'importe quoi. Ou même l'entraînement de Goku et Goten, on veut ça. L'entraînement de Goku et Goten, ça peut être intéressant. Ou même Oob, carrément dans son village, de son côté, son entraînement. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à faire, bien sûr. Ouais. Donc voilà, il y a des choses améliorables, mais pour autant, je pense que on a surkiffé. En tout cas, moi, c'était un kiffé véritable plaisir. Ouais. Je l'attendais, hein, tu savais, hein, 23e Tenkaichi Budokai. Moi, pareil, et en plus de ça, ils m'ont rajouté Piccolo Demo, alors moi, j'étais en extase, là. Ouais. Et cet environnement, là, il est magnifique, je veux dormir là-bas, moi, je veux dormir au Temple des Arts Martiaux. Voilà, dites-nous ce que vous en avez pensé, mais nous, voilà, on a kiffé. Amoureux. A très vite, en tout cas, sur DBTM, vos vidéos sur Dragon Ball. Des bisous, rejoignez-nous ailleurs. Matin. Ciao.